Salut tout le monde, c'était 59. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour le spécial coup de cœur numéro 22. Il va encore avoir du lourd, lourd, lourd sur cette vidéo. Donc c'est parti. On démarre tout de suite avec la première piste. Alors c'est Warfare 2. C'est de la difficulté difficile. C'est du créateur THDTE. Donc faut s'attendre à du lourd d'entrée de jeu. Ça a du chaud patate. Donc c'est parti, je vais vous présenter mon replay sur cette piste. Une faute hein, quand même. Je fais une petite faute sur cette piste. Donc c'est parti. Warfare 2. Ouais. 2, 1, go, c'est parti. Alors une piste en extérieur. Il y a de la déco hein, comme d'hab. THDTE, super décoration. Il y a de très jolis avions sur cette piste qui survolent. On est à l'époque de la deuxième guerre. Et là, regardez-moi ça, il y a de la vie sur cette piste. On entend bien le bruit des avions, c'est super sympa. Ah, là ma petite gamelle. Regardez-moi ces avions qui nous passent au-dessus de la tête. Alors là, bien particulière à THDTE. Il a son propre style, tout le monde le sait. Et là, on franchit la ligne d'arrivée et on voit les petits avions survoler la pyramide. Super taf. Et on passe tout de suite à la deuxième piste. Alors, c'est Corrosive du créateur Nova Dark Storm. C'est du difficile. C'est du taquet taquet. Vous allez voir, c'est du lourd. Donc, je vais vous présenter mon replay sur cette piste. Et c'est parti. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai une patate d'enfer. Et je suis ravi d'être avec vous. Avec cette vidéo. Donc c'est parti, Corrosive. 2, 1, go, c'est parti. Alors c'est une piste que j'ai vraiment aimé, René. Il y a de l'idée, vraiment il y a beaucoup d'idées sur cette piste. Salto arrière. Et on rattaque pour continuer à grimper. Un gros saut. On nous tire dessus, il y a une tourelle qui nous tire dessus, faut pas s'arrêter. Drôle de bébête également sur cette piste. Et là, on attaque. Il y a un shortcut, mais perso, je l'ai pas passé. On passe là mal. Il y a une grosse accélération. Et on franchit une d'arrivée. C'est pas mal déjà hein, pour le début de cette vidéo. Et on démarre tout de suite. Enfin, on démarre. Troisième piste. Alors, c'est ELC Glacial Shift. Du créateur El Camsterino. Et là c'est du gros speedrun. C'est du moyen. Un gros 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 speedrun. Et pour moi franchement c'est une très très belle piste. C'est énorme. Franchement c'est énorme. Et en plus il y a un secret ninja sur cette piste. Je l'ai même pas trouvé. Donc c'est parti. 1, go. Et là on est en 450. Il y a de la neige. Et faut attaquer sans rien lâcher. Et là c'est parti. Regardez-moi ce saut. Et on perd aucune vitesse. Faut garder, faut maintenir la vitesse. C'est un gros speedrun. Ça passe sans problème. Et là on se laisse redescendre. Et on accélère pour reprendre de la vitesse justement pour après. Et là on est entraîné par un gros caillou. Et on franchit une d'arrivée sur la glace, comme Candeloro. Et on enchaîne tout de suite avec la prochaine piste. Alors c'est Racing Dump du créateur Knock of Nat. C'est du moyen. Et j'ai aimé la déco sur cette piste. Ça fait du bien de voir qu'il y a des créateurs qui commencent à bien travailler leur déco sur Trial. Et franchement, ça fait plaisir. Donc je vous laisse découvrir cette piste avec mon replay. 3, 2, 1, go, c'est parti. Donc on est en milieu fermé. Le seul petit sur cette piste, c'est ce tambourin là. J'avoue, le tambourin il prend vite un peu la tête. Il aurait peut-être dû éviter de mettre ça et rajouter d'autres sons. Il aurait donné un meilleur sens de vie à la piste. Mais au niveau créativité, il y a du potentiel. Il y a des shortcuts sur la piste également. J'avoue que les tambourins tout le temps c'est fatigant. Et leur accélère.
redescendre pour une grosse remontée. Dernier petit rebond, essaye d'arriver. Mais j'ai vraiment aimé la déco sur cette piste, super taf. Et on passe tout de suite à la prochaine piste. Alors c'est Surmatch du créateur Pure Evil. Alors là, 10-10. Franchement, Pure Evil, good job. Parce que elle est méchante cette piste. Donc je vais vous présenter mon replay. Elle est énorme. Énorme. C'est un speedrun. Le chrono est bien bas pour la partie 27-500. Donc c'est parti. 1, go. Et on est vraiment dans l'ambiance que Pure Evil aime bien, c'est-à-dire du sombre et une bonne ligne de course. Franchement, alors là, un gros bunny up pour aller chercher là-haut et on accélère. Limite, faut même pas chercher à freiner. Je sais que c'est pas évident. Moi, le premier, hein, j'arrive pas à tout passer à fond les gamelles. Là, et là. Mais à mon avis, c'est ce qu'il faut. Faut pas hésiter à lâcher. On fait dans une cave avec des tonnelés. Super boulot, super piste. Et on passe tout de suite à la prochaine piste. Alors c'est Ma 22 Climbing Rogue du créateur Madas 22. C'est du difficile. Et j'ai trouvé cette piste sympa. Voilà. Quand on prend sur le central, comme ça, il y a des pistes qu'on trouve sympa. Et là, bah, c'est une des pistes que je trouve sympa actuellement sur Central Track parce que c'est un peu triste également. Donc c'est parti. 3, 2, 1, go. Et c'est parti, on est en milieu nature. Et c'est technique, c'est du clip. Grosso, on rebondit, on passe les troncs d'arbres. Et fort grimper. Il y a des petites cabanes dans les montagnes, il y a des cascades, il y a des fleurs. Et je suis vraiment beaucoup plus à l'aise sur la deuxième partie de la piste. Et là on grimpe, faut pas lâcher, grosse poussée, on passe la cascade d'eau. Gros saut, essaye d'arriver sur ce petit paysage de fin. Puis sympathique. Et on passe tout de suite à la piste N1L8 New Horizon du créateur Shiznit57. Alors N1L8, c'est un groupe de créateurs qui se réunissent sur ce nom pour créer, pour faire des champions, enfin des tournois, ceci, cela. Et Shiznit a fait une super piste. New Horizon, franchement, elle est énorme, technique. Donc, voici mon replay sur cette piste. 2, 1, go, c'est parti. Alors, il y a des toilettes, c'est des bâtiments en ruine, un morceau de cuisine, et un peu de tout, on passe sur la route, et là, faut pas toucher les câbles, on accélère, et franchement, c'est une de ces niveaux d'une de course qui est peut-être la meilleure, surtout celle que j'ai pu tester, on se sent vite à l'aise, on peut attaquer. Et un petit peu technique, et là lui vient se scratcher pour nous présenter le N1L8 sur son aile. Waouh! Et là on passe sur du lourd, alors on passe sur la piste 397 Kernzer Fall du créateur Raketal 397. Et là ça se fait en quoi les amis? En rabbit! En rabbit! Et je suis très 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 content de mon classement sur cette piste malgré que j'ai une médaille d'argent. Pardon. Mais le BMX avec une bonne piste, franchement ça déboîte. Donc c'est parti, 2, 1, go. Donc rien qu'au bruit, on entend qu'on est sur du radioactif. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de bruit de moteur. Mais le BMX, avec une bonne piste, c'est génial. Donc là, on va passer ce tronc d'arbre. Et là, ça va être autre chose. Hop, on se laisse redescendre. Et il faut vraiment aller chercher. Moi, j'arrive pas à passer d'une traite comme ça. Ouais, voilà, il faut accéder là, puis tourner. Une petite impulsion pour aller chercher l'arme bien loin. Et je pense que je la prends trop loin parce que j'arrive pas à passer le. Parce qu'à mon avis on doit passer d'une seule traite. Et là on regrimpe. Alors c'est le chaos hein. On entend bien l'émetteur de radioactivité dans le casque. Il n'y a pas de végétation, il n'y a rien. Faut toucher le petit bouton et on se laisse redescendre pour une meilleure remontée forcément. Que si on est trop important on tombe dans le trou.
Ah, c'est très trop si ça. On regrimpe, on passe sur les toits. Dernière impulsion. Essayez d'arriver. Dans la tête. Oh, très belle piste. Ah, et on passe à la piste Elviria du créateur Catin. Alors Catin, franchement, ta piste, elle déboîte. Si tu regardes la vidéo, je te mets 2 pouces verts pour cette piste. Elle est géniale. Donc voici mon classement. 43e. C'est pas vilain. On peut faire mieux, mais c'est pas vilain. Mais ouais, elle déchire ta piste, Catin. C'est énorme. 2, 1, go, c'est parti. Et là, c'est un speedrun, faut rien lâcher. On passe par les toits. Et là, il faut reprendre une grosse accélération pour aller chercher bien haut le passage. Ouais. J'aime bien quand ça passe comme ça. Et là, je perds un petit peu de temps, j'avoue, sur le run. Parce qu'il faut que je me replace pour enchaîner. Là, on accélère, on grimpe. On grimpe. Elle est géniale, ta ligne de course, Catin. J'adore. J'adore. Je te dis, gros pou- 2 gros pouces verts et on finit dans la cheminée. En plus, c'est top. Et on finit avec la dernière piste. Alors, c'est Bogtown. C'est du Fusion Shared. C'est du moyen. Pareil. Un petit coup de cœur comme ça, de la semaine, sur Central Track. Donc, c'est parti. Voici mon replay sur cette piste. Alors, je sais pas pour vous. En plus, c'est une piste qui a été réalisée sur PC. Bah, il sourd, zour. C'est parti, 2, 1, go. Donc il pleut, il fait sombre, et faut attaquer. Et bon, c'est ça. Il faut aller chercher le loin, loin ce saut. On sait pas faire d'accroche. Le coup du tonnerre, il est génial. Il y a vraiment une vie sur cette piste. Entre l'orage et la pluie, c'est... il y a déjà ça qui donne une bonne vie à la piste. On repasse la rampe. Il faut repartir sur une grosse accélération. Et le dernier petit bunny up, hop, et c'est la ligne d'arrivée. Voilà, voilà, super piste. Donc voilà, bah, c'était la vidéo que je tenais à vous présenter cette semaine sur le spécial coup de cœur numéro 22. J'espère que ces pistes vous auront plu, que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo ou à la commenter, ça fait toujours plaisir. Ah oui, je tiens officiellement hein, sur la vidéo, tant qu'à faire. À remercier également toute l'équipe Ubisoft qui m'a permis de présenter ma sélection Community Recommended sur le jeu. Disponible également sur le forum Ubisoft sur le site où il y a toutes les descriptions des pistes que j'ai présentées. Donc un grand merci à toute l'équipe parce qu'ils ont été réactifs et ils ne m'ont pas dit non pour la sélection. Et ça, ça fait super plaisir. Donc voilà. Bon ben, quant à moi, je vous fais à tous de gros poutous et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Allez, bye bye.